Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aménagement du terrarium de mes filles. Donc ce terrarium fait 125 par 60 cm environ. Donc comme d'habitude, premièrement j'enlève tous les accessoires. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses naturelles comme des branches, des tunnels en liège qui sont assez importants pour l'enrichissement je trouve. On brasse et on mélange toute la litière qui reste. C'est parti pour réaménager le terrarium. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait un côté avec plus de 35 cm de litière au fond et 30 cm environ devant. Et un côté où il y en a moins pour que les souris puissent grimper en fait. Donc il y a un étage et une maison. Et il y aura d'autres choses bien sûr. J'ajoute ce super pied de vigne naturel trouvé par mon ami dans son jardin, enfin récupéré dans son jardin. Les souris adorent grimper dessus. Donc là, il est calé vraiment sur un étage et un pont en bois pour vraiment éviter qu'il bouge ou qu'il s'affaisse quand les souris creusent en dessous par exemple. J'ajoute ensuite plusieurs branches de noisetier que j'ai récupérées bien sûr de mon jardin. J'essaie de bien caler chaque branche pour pas qu'elle bouge. Par la suite, j'ai rajouté quelques serflex pour les petites branches qui seront attachées aux plus grandes du coup. J'ajoute une petite noix de coco qu'elles adorent et des feuilles de noisetier trouvées aussi dans mon jardin. J'ajoute la roue de 27 cm. Alors avant j'en avais deux, mais elles se chamaillent pas avec une seule et toutes n'en font pas, donc une suffit. J'ajoute de la mousse séchée, elles adorent le déchiqueter pour le mettre dans le nid ensuite. La gamelle d'eau évidemment. Là je vais rajouter des feuilles de pommier. Et un super mélange de fleurs avec différentes fleurs en fait que j'avais pris moi-même séparément. Des épis pour l'enrichissement, ceux-ci viennent de chez Optimal. C'est une promo commande que j'ai faite en septembre ou août, je ne sais plus. Donc là j'ai mis un gros épi de sorgho, ensuite du lin, elles adorent, c'est vraiment la chose qu'elles préfèrent. Il y a un peu d'avoine et des épis de millet.
petit tout raccroché sur la droite. C'est un jouet que j'ai acheté chez eux au plus. Donc là, j'éparpille leur mélange de nourriture. Ah oui, et le petit amas qui vient d'une petite boutique que je mettrai en lien. Je vous laisse avec la petite vidéo de l'habitat et les filles qui découvrent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Et je suis beaucoup présente sur Instagram. Je partage vraiment mon quotidien avec les loulous, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. À bientôt!